from Mali, in the heart of West Africa, comes a singer whose voice is unique in African music. His name is Salif Keita. He's a direct descendant of the Emperor Sunjata Keita, founder of the Mandinka Empire in the 13th century, whose power extended far across the subcontinent. As a nobleman, Salif Keita broke with tradition to become a professional musician. As an albino, he struggled with the painful consequences of being born a black African with a white skin. This is the story of his life, of his spiritual journey along the intertwined path of animism and Islam, and of the sources deep in the 700-year history of his Manding ancestry, the ancient forces that have produced his extraordinary voice. Yeah.
Okay. Mais c'est dommage, parce qu'en ce temps-là, au moins, de toute façon, j'ai remarqué quelque chose. C'est que je me fatigue. Mais ma voix a juré de ne jamais se fatiguer. Et ça tient quoi? Vous en faites pas. Alors, ça se fait comme ça. Toura! Toura! Je prends la fuite. Quand moi je criais comme ça, tous les champs qui étaient autour du champ de celui de mon père étaient en sécurité. Parce que je gueulais fort, vraiment je gueulais bien. Et j'arrangeais pas mal de gens. Bon. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à chanter, j'ai senti que souvent tu peux chanter avec le ventre. Tu peux chanter avec la poitrine, avec la tête. Et ces différentes façons de chanter, c'est l'expérience qui me les a amenés. Je n'ai pas appris à l'école. Mais crier comme ça, là, j'ai appris dans le chant, ici. Ketibori kayaya kokoro khule monawa demeta fanyo momo kambole. Ça c'est un cri de guerre. Ça fait partie des chansons les plus envoûtantes dans le temps passé, parce que ça se dit derrière les gens. Derrière les grands guerriers qui ont eu vraiment du mérite dans les champs de bataille. Kayerala, Ketibori, Kayaya, Kongoro, Kule Morava, Demeta Fanyo Mama Kamwale. Je suis Keita, mais pas n'importe quel Keita. Mon père est Keita, ma mère est Keita. Le Keita que je suis, on appelle ça Nyame. Nyame, ça veut dire vraiment la plus pure, la pureté de la race Keita. Je suis vraiment de la plus grande aristocratie du Mandingue. Mais je chante. C'est pas un contraste, parce que Sunjata, il a amené son instrument. Lui-même, il a composé son morceau. Donc, si je suis fier d'être le seul valable aujourd'hui à remplacer Sunjata Keita. Ça, c'est vrai. Nous sommes descendants de Sunjata Keita, l'empereur du XIIIe siècle. Maintenant, le pouvoir n'appartient pas à l'aristocratie, mais ça ne nous empêche pas d'être nobles. Et voilà mon père qui arrive. Wansi. Ça, c'est mon père.
Ça, c'est mes deux parents, Nassira Keita et puis Sina Keita, qui est le chef de tous les chasseurs du village. Aporani, combien de dinero a contacté mon ami? Aporani est d'accord. Mariquet d'offre. D'accord. Casseron, il est en terre. Il est en terre. Aporani. D'accord. Ah! Ngo muso tene fe ngo lebel desro sombe ko 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 keroba akoke akoibe na densro seba kuma dendo sro de akoni shira kasra kabo ah ngo asra ka fo nyimbabo ah asra ka fo nyabo Le jour où je suis né, mon père n'était pas là, il était à la chasse. Il était très mécontent quand il rentrait parce qu'il n'avait rien eu. Kebale. Yefuge. Il faut y aller la luma. Mon ilola. Il dit quoi, Sanadi? Il dit bon, Adi? Bon! Mon père était choqué. Son enfant est blanc, tout blanc. Il ne savait pas d'où venait cet enfant. Et qu'est-ce qu'il était venu faire? Et ce jour-là, quand ma grand-mère est venue et qu'elle a réparé la faute, elle a dit à mon père d'aller voir l'imam de la mosquée. Quand il est venu voir l'imam lui a dit, mais l'enfant que tu as eu là, tu vas voir ce qui va se passer dans sa vie. Quel vous sera là? Aïwa, moi, quoi? Quoi, il est quoi, il est là? Il est là? Il est là? Il est là? Il est Je ne pouvais pas supporter le soleil. C'était pas facile pour ma peau. Et j'avais du mal vraiment à me tenir au soleil. J'accusais des gens au fond de moi, souvent, et pour les pardonner, j'ai appris à méditer. Et donc, depuis à l'âge de 5 ans, à partir du moment où, le jour où même où j'ai senti que c'était pas, j'avais pas la même couleur que les autres, j'ai commencé à m'inquiéter sur mon sort. S'il y a un albinos qui passe, il crache par terre, il se prend le nombril. Et ça fait mal ça. Ça fait mal. Oh!
fait le vélo de Fanta? Le premier jour où mon père m'a amené à l'école, je ne voulais pas y aller. Parce que les élèves, dès qu'ils m'ont vu, ils ont eu peur de moi, parce qu'il n'y avait pas pareil. Moi aussi, j'avais peur de les intégrer. C'est mon père qui m'a forcé, tiré par la main. Il m'a dit, tu vas à l'école. C'est là qu'a commencé la malédiction. Au moment de méditer ici, comme je ne connaissais personne, celui qui pouvait m'arranger pour moi, c'était le président du régime de faim, qui était le président Moribo Keita. Alors, comme il est sur la colline là-bas, et je voulais monter pour aller le voir, pour aller m'expliquer à lui. Alors, en montant, j'ai rencontré un homme qui était habillé en chasseur. Et il m'a regardé. Et moi, c'est moi qui ai eu peur. Je suis retourné. Pour moi, si jamais je montais, je serais sacrifié. Alors, je ne suis pas monté. Parce que aussi, n'est-ce pas que... Il y a beaucoup de traditions qui disent que le sacrifice, beaucoup de sacrifices humains sont des sacrifices d'albinos. Parce qu'ils ont autre chose qui se passe en eux qui n'est pas qui est hors de commun. Moi, je crois que je suis né avec la foi en Dieu. Quand je regardais, je cherchais une solution finale, je me plaçais au-dessus de tout ça. C'est Dieu. Je n'étais pas tellement d'accord avec les idées animistes depuis que je suis né. Or, je suis né dedans. J'ai beaucoup aimé l'école coranique. J'aimais beaucoup la voix du maître. Il avait une très belle voix. Et j'ai été sensibilisé par sa voix. Depuis que mon père, au lieu de m'amener à l'école coranique, m'a amené à l'école française, qu'a commencé la malédiction. Ma sonka la minga, na ofeneke, la kera marikrandi, pasi a folenye, konga na. Mais je lutte beaucoup pour la cause de Dieu, pour l'amour de Dieu. Tout ça, c'est tous mes textes, presque tous mes textes, pour la société. Parce que moi, je crois que Dieu est d'accord avec la société. Et partout où la société est, Dieu est là-bas. Et il n'est pas là où n'est pas la masse. Et donc, les textes qui peuvent avancer la bonne marche de la société sont des textes qui sont aimés par Dieu.
Et donc je défends beaucoup la cause de Dieu. Je crois que tout musicien, tous les musiciens, tout artiste est un prophète. Un peu. Parce que l'art, ça vient du cœur. Et pour bien le faire, il faut être très sensibilisé. Et un cœur très sensibilisé est un cœur noble et un cœur de prophète. Moi je suis chanteur, mais je suis descendant de Sunjata Keita. Alors, c'est ce qui compte ici. Dès qu'on me voit, on chante les louanges de Sunjata Keita. Je suis noble et c'est ce qui compte. Le reste, ce n'est pas leur problème. Effectivement, ils ont raison. Parce que chaque chose a sa place. C'est normal ça. Je suis très content. Et c'est chez moi. Ouais. Les femmes qui vous voient, c'est des griottes à moi. Moi je suis noble, elles sont griottes. C'est pourquoi dès qu'on me voit, on crie. C'est normal. Ouais.
La tradition chez nous, les griots envoûtent les gens que les nobles donnent un peu d'argent. C'est des traditions qui ont fait leur preuve avant, mais maintenant c'est très difficile de respecter parce que, n'est-ce pas, que le monde évolue. Et qu'est-ce que c'est l'évolution? Le processus de l'évolution est assuré par la trahison des générations par des autres. La tradition ne voulait pas, ne veut pas maintenant qu'un noble fasse la musique. Dans ma conscience profonde, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Parce que je crois que c'était une façon légitime de gagner sa vie. C'était plus légitime que de voler, que de truander. Que je fasse la musique au lieu de voler. Abeto kam gidare ni fo be gidare fo no selvu ne musare ni de gidare fo adabla e akumelo ako bentru ngi alale ah ngonga na gidari embre am amandiye ishi ala na mreki la bominge mo pe awa fotura katura katura mba gbeni didare ya khna ko foke ro bado be uko makosina. Kasira e samban ke karana e makaran sura e kuriri ko ka gidare ta kafo nge be niyara te ka chukuri ene do bara saka kunne bara kunda fere kunga to kuna manfo ko fa be do ale to de pasiga ale karaminke ale gali bugu tale ne mato ale keninke kale kumbe bili de ka boya sa ka tagabmo Atulaka, donc l'île, Mouy Betoka, Rokan et à Cantasson, à Kondingabo, à Kassi, donc l'île. Je respecte beaucoup le passé de mes parents. Mais je n'ai pas envie que ça influe sur le présent. Maintenant, je crois qu'il vaut mieux chercher une autre façon de se rendre noble. Parce que les vérités d'avant ne sont pas forcément les vérités d'aujourd'hui. J'avais 18 ans, 19 ans. Mais personne ne me connaissait, évidemment. Je passais comme une mouche qui passe, peut-être emmerdant. Hein? Mais avec la chaleur humaine ici, j'ai vécu. J'ai vécu, pas comme une mouche, comme une personne qui peut être... qu'on a envie de faire vivre. J'ai passé un an, peut-être un an et quelques mois. En 1960, j'ai connu un copain qui me demandait chaque fois où j'ai passé la nuit. Je ne lui ai jamais dit la vérité. Je chantais, je passais des moments dans les bars et je chantais des morceaux que les buveurs aimaient bien. Et puis on mettait des 500 francs, 1000 francs, 5000 francs même. Dans le trou de la guitare, et je vivais bien, j'achetais des habits, des chaussures, je vivais bien.
te dis combien le Malien aime la beauté de la chanson et les artistes. C'est connu un fou. Mais pour moi, qui n'était pas fou, qui était plus sentimental, plus accueillant et plus chaleureux que peut-être une personne normale. Parce que chaque fois que je partais dans le bar, avant que je vienne, il étale mon matelas, et ma natte, il nettoie bien, il garde mes affaires. Et quand je viens, j'amène des sandwichs, je lui donne. Mais on n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé. C'est comme un arbre qui était là, qui m'était utile, mais qui ne me parlait pas. Où il est maintenant? Je sais pas. Quand j'ai quitté le marché, je l'ai cherché, je ne sais pas où il est parti. Très, très important pour moi. Quand je chante, je pense à lui. Et souvent, quand je pense à lui, je suis plus humain, et je suis plus spirituel et plus vrai. De se droguer. Si tu refuses ton père et ta mère, tu refuses tous tes parents et tu te donnes aux stupéfiants et à l'alcool va te tuer.
C'était à la gare que j'ai fait mon premier orchestre, c'est-à-dire le Rai Band. Et cette gare, c'est la seule gare de Bamako. L'endroit le plus mouvementé, le plus fréquenté par les businessmen, par les commerçants. Ici, c'est le buffet de la gare. Ici, c'est le buffet hôtel de la gare. C'était la grande porte, toujours été la grande porte, ici la petite porte. Ils ont construit et reconstruit, ça c'est pas l'ancien, l'ancien emplacement. Et ici on a commencé à jouer ici en 70, 71, 72, 73. Il y avait plein plein de musiciens compétents qui ont formé le Rai Band. C'était un bon, très bon. Très bon. Alors ici aussi c'est très important pour moi parce que c'est comme un enfant qui monte son berceau, un gaillard qui monte son berceau. Parce que je ne peux pas oublier le buffet hôtel de la gare. Ça, parce que ça a vu mes premiers pas dans ma carrière et puis plein d'histoires dans ma jeunesse. C'est comme un symbole pour moi de la jeunesse. Non, je m'en vais vous dire une chose. Voilà. Salut. Nous allons alors, de... ouais, c'est ouais. J'en veux dire une chose. Ouais. Hein? Ouais. C'est trop. Il s'est demandé. Ouais, ouais. Attends. Je comprends. Il s'est demandé. Non. J'ai compris. Je m'en veux vous le dire. Ouais, je comprends. Moi, c'est intéressé. Ouais, ça, tu es. Non, non, je m'en veux vous le dire. Oui, il est où? Non, ouais. Ça, un ami, un frère. Parce que c'est lui qui a vu mes premiers pas dans la musique. Très, très important. On était trois personnes avec Kidane Kone pour fonder le Rai Band. Alors. Oui, il était Mamadou Diakité, l'accompagnateur, et qui était technicien, chauffeur, qui a fait tous les métiers ici, presque dans le buffet. Ouais, c'est bien ça, c'est bien, je suis très content qu'il soit là. Et le petit Dilango qui danse comme un... Il a toujours bien... Tellement qu'il danse bien, on l'a cherché en ville pour qu'il vienne là, aujourd'hui. C'est vrai, non? Et ça fait dans quelle année? Hein? Ça fait dans quelle année? L'année là. 69. En 70. Le reggae n'est qu'un noyau. Parmi dans la musique africaine ici. Parce que tu joues des rythmes ici, tu sens du reggae dedans. Mais tu sais que c'est enveloppé. Le reggae. Tu dépouilles un peu seulement, tu trouves que le noyau c'est le reggae. Comme il est comme moi, ça il faut. Musique malienne, musique africaine, musique abeille. Ni musique malienne jouée, sinon bah là. Est-ce que il n'y a pas un pays qui a la valeur du Mali dans la musique africaine. Parce que nous sommes le résumé et nous sommes le noyau de la musique africaine. On a cette possibilité. Bon, y a une chose, c'est vrai. Et Dieu a fait quelque chose. On n'a pas été assimilé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à la mer. Et ce qui fait que c'est un pays enclavé, on a eu la chance de réserver certaines choses depuis de certaines traditions. Donc on a cette chance-là. Donc on s'en fout de ce que les autres ont gagné. Nous, on a plus de potentialité que les autres. On mérite la place essentielle dans la musique africaine. Parce que nous, si tu as envie d'entendre la tendance japonaise, tu viens ici, il y a certaines régions, tu vas l'entendre là-bas. Oui. Si tu as envie d'entendre du reggae, tu entends partout, ici. Si tu as envie d'entendre du afro-jazz, c'est ici. Et souvent même, on croit que les Américains noirs ont imité Ségou, parce que toutes leurs intonations viennent de Ségou. Mais ça fait intelligent. Donc, c'est pour te dire que nous, on a un mérite. On a un mérite inexploité et c'est mieux. Dieu a dit, commence mal et finis bien. Et c'est ce qui va arriver au Mali. Ah ouais. Très bien. Ouais. Keita. Keita.
Alors, ça c'est le motel de Bamako. Alors, je vais vous montrer l'intérieur du... j'avais une moto achetée par le buffet hôtel de la gare. Et quand je suis venu ici, le motel a remboursé la moto au buffet hôtel de la gare. Donc ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. Ça, c'est le motel du Bamako, qui a été très important dans la musique malienne moderne. Depuis 1973, je suis venu dans les ambassadeurs du motel. C'est comme si je me trouvais aujourd'hui sur la tombe d'un grand disparu. Parce que le motel aujourd'hui est dépourvu d'ambassadeurs. Mais si je dois parler de la vie musicale au Mali, je ne peux pas ne pas parler des ambassadeurs. Ça, c'est le podium, ici, où on jouait les samedis et les dimanches, dans les après-midi. Ça dit pendant 4 heures de temps, de 16 heures jusqu'à à 20 heures. Manju a été à clôturer le succès des ambassadeurs de Motel. Et depuis que Manju est parti, il n'y a pas un autre morceau qui soit... qui a pu ressusciter le modèle. Et donc, j'ai chanté avec âme. On peut chanter un morceau. Les morceaux ne sont pas les mêmes dans le cœur. Il y a d'autres morceaux, tu peux le chanter avec moins d'émotion. Et d'autres morceaux, tu le chantes avec plus d'émotion. Et Manju, je chante, non seulement je chante avec détermination, et avec plus d'âme, et avec plus de force. Et donc, c'est comme un marteau qui tape dans le cœur des joutes et ça réagit. C'est comme si tu tapes le caillou sous terre et ça fait trembler le sol. Et c'est comme ça que Manju a réagi dans le cœur des gens.
Quand j'arrive à Paris, je vois que c'est une autre vie qui commence. Et je regarde un peu en arrière derrière moi, dans le passé. Je vois que la vie d'un homme est comme la vie d'un œuf. Ça se forme, le poussin sort, il s'émancipe et voilà, c'est tellement beau. Quand tu progresses, et j'aime beaucoup ça. Dans le mix, j'ai été très ouvert, très très ouvert. Moi, j'ai suivi la mélodie et la maintenance de la mélodie de la couleur africaine. Et, excusez-moi, les autres qui étaient là, comme en l'occurrence Brice, le batteur de l'orchestre et l'ingénieur de son lui-même, ont défendu souvent la couleur universelle. Un temps dans la vie se détermine par une génération. Une musique aussi, une culture, est déterminée par le rythme, la mélodie et l'idéologie par les textes. Déjà, je crois qu'il y a le rythme et la mélodie. Pour moi, c'est l'essentiel. Alors, si tu ne fais que la mélodie et le rythme, tu gardes ça, tu ne mêles pas le modernisme dedans, tu ne fais pas une ouverture vers d'autres musiques universelles, moi, je crois que cette musique est bien plutôt dans le musée. C'est bien, mais dans le musée, pour recevoir les touristes qui viennent. Mais à partir du moment où tu as envie d'exploser, de t'exploser devant, aux yeux des auditeurs, dans le monde entier, tu as envie d'être écouté et d'être utile pour la société idéologiquement, il faut savoir parler aux gens. C'est un pas pour l'homogénéité sociale et c'est un pas contre le racisme
Et c'est un pas pour la paix. Parce que tant qu'on va se confondre et on se confondra tout le temps, il y aura moins de problèmes sociaux. Parce que les cultures vont échanger. Peut-être vous prendrez une partie de la culture africaine. Nous, on prendra. On a déjà pris, d'ailleurs, beaucoup de cultures. Parce que moi, je suis avec un pantalon, une chemise, jacket, en tant qu'Africain. Et sans gêne, je me sens à l'aise. Donc, je parle français. J'ai fait beaucoup de pas. Et quand vous allez faire beaucoup de pas aussi, on va se rejoindre. Il y aura la paix qui va s'instaurer. On va sensibiliser les malfaiteurs. On va dire que c'est nous qui sommes là en tant que symbole de la paix. Il faut nous copier et ils vont nous copier. Sinon, ils seront à l'écart. J'étais invité à Farafina par Alpha Cabinet Traoré, trompettiste des ambassadeurs du motel, pour aller faire un peu de musique, un peu de bœuf. Notre doyen Mani Dibango. Vous les applaudissez très fort et j'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de beau. Merci. Vous dites que Abou Mali, c'est ma place. Et ici maintenant, pourquoi moi ici? Ah, parce que là-bas, vous avez vu les blancs, non? Et c'est pourquoi moi aussi je suis là. Il y en a là-bas, moi aussi je suis là. Et il y a la musique ici. La musique a émigré ici aussi. Je suis venu par la vague. La musique, parce que ça d'abord, ça n'a rien de... C'est tout à fait normal, parce que la musique n'a pas de pays, n'a pas de frontières. Et où que tu sois, c'est là-bas, c'est le pays de la musique. Le problème de la musique africaine, si vous regardez bien, on ne vient pas avec une langue écrite, il naît avec bazooka pour faire connaître nos cultures, mais avec la musique là, c'est quelque chose de très sérieux pour nous. Parce que c'est un arme de combat à travers lesquelles nous allons tout faire pour développer nos cultures aussi bien ici qu'à New York et à Londres. On existe. Je veux dire que dans une émission populaire de la France,
profonde, comme on dit ici. Tu peux voir ou Salif, ou Manu, ou Touré Kunda. Ça ne choque plus les gens. La deuxième étape, c'est non seulement de nous voir jouer la musique, mais c'est de parler aussi à la télévision. Ça, c'est une étape importante. Oui. Donc, on commence à parler également à la télévision. Donc, moi, je trouve que l'époque est très, très, très intéressante parce que c'est une époque de lutte, c'est une révolution, en fait. Il faut que la vie d'un homme soit positive et on essaie de rendre positif notre vie. En quoi faisant? En mettant notre connaissance, notre idéologie, en proposant notre idéologie à l'idéologie mondiale, si elle peut accepter, pour que la paix soit plus facile. La religion même n'est pas faite pour... Je n'ai pas religion, hein. Moi je ne suis pas prophète, je ne lis pas la Bible. D'ailleurs je ne peux pas lire la Bible parce que je n'ai pas les yeux pour lire la Bible. Je ne lis pas non plus le Coran parce que je n'ai pas les yeux pour lire le Coran. Mais je sais que la religion, elle n'est pas faite pour ne pas qu'on s'entende. Au contraire, elle est faite pour qu'on s'entende mieux. Et donc nous, on s'entend, les vraies religions, c'est entre nous. N'est-ce pas, papa? Amen. Alléluia. Domi soldo, merci. Ah, Malaloba. Comment va? Tu as dit que Dieu est grand. Et nous, on est là pour... Oh, on essaie seulement de la musique. Il y a tellement à faire. Je te dis. Il faut dire que les gens qui l'amusent, ils aussi en fait d'images. Ils s'ennuient. Et ils trouvent les Africains. Ils disent non, Mandela là-bas. Bon, laissez-moi voilà. Tranquille. Voilà. Lundi, il se réveille. C'est Madame Thatcher qui n'est pas d'accord avec Indira Gandhi. Ah, laissez-moi tranquille. Tout ça, là, ça compte. Traoré vient demander l'argent ici. Laissez-moi tranquille. Ouais. Ça, c'est une chanson. Hein. Laissez-moi tranquille. Ouais. Laissez-moi tranquille, je vais écouter les musiciens. Mais quand il vient chercher l'argent, il va dire... les musiciens. Ouais. Mais quand Manu fait pas, il dit voilà, c'est ça que je veux écouter. Oui. Parce que ça, c'est plus conscient. Mais avant de faire ça, il faut m'encourager. Ouais, ouais. Les doigts sont fatigués. C'est ça. Ouais. Papa, il faut ça. Oui. C'est ça. Ouais, c'est juste. Et puis moi, je suis sûr que c'est vers nous que Dieu est tourné maintenant. Parce que c'est avec nous qu'il a moins de problèmes. Il n'en a pas. On fait ce qu'il veut. Et puis il entend la musique, ça lui fait plaisir. C'est ça. Comme mon village là-bas, au bord du fleuve. C'est pour retrouver souvent cette ambiance que je retourne au Mali. Parce qu'il n'y avait que des Africains, il n'y avait que des copains que j'ai rencontrés depuis. Chauffeur-gain, il me s'est amené là. Eh, Nangibo. Il y a une chaleur. Ce n'est pas la chaleur occidentale. Mais
Je vais le voir regarder. Je vais le voir regarder.
Parle sur ça. On va te parler question du terrain ou des maisons. D'accord. Hein? D'accord. Soit à payer ou à vendre. Mais il faut beaucoup discuter là-dessous. D'accord. Mm-hmm. Que tu vas avoir longue vie, toujours. Mm-hmm. Mais tu vas toujours remarquer aussi ton enfant qui va être naître maintenant. Il y a une cicatrice, ça veut dire qu'il viendra avec quelque chose. Il sera né avec. Ah bon? C'est un signe qui est bien pour toi et sa maman aussi. Ok, d'accord. Mm-hmm. Il faut remarquer depuis le jour de naissance. Oh, d'accord. Et tu as la tête très ouverte. Inch'Allah. Mais il faut toujours continuer à faire les bénédictions pour toi-même. Ah bon, ok. Mm-hmm. Il y a l'argent qui vient. Il y a le bonheur qui rentre. Ok. Nous sommes dans ce village aujourd'hui parce que il y a un proverbe qui dit que quand tu vois les feuilles d'un arbre qui sont vertes, c'est que les racines sont dans l'humidité. Alors, moi, je suis content d'être né dans cette société. Et je suis très content aujourd'hui que je puisse le dire devant aux yeux de tous les auditeurs. Moi, je suis très content d'être né ici. Parce que vraiment, je suis né là. J'ai appris la nature telle qu'elle est. Et vraiment dans la profondeur de la douceur de la naturelle. Et je suis parti ailleurs et j'ai connu la vie... scientifique et j'ai connu une autre société. Donc j'ai fait une fusion, j'ai vu que je suis né là où je devais vraiment naître. Parce que j'ai jamais, jamais, jamais oublié ici. Et je ne voudrais jamais oublier ici. Et c'est à cette occasion que je suis dans ce village encore pour me retremper encore dans d'autres sources que je ne peux pas avoir ailleurs qu'ici. Je suis là.
Alors, cette chanson est la chanson la plus sacrée. Vous avez cette société que vous voyez, c'est la société qui est restée fidèle aux traditions. Alors, du début du mandingue jusqu'à la fin du mandingue, jusqu'au fin fond du mandingue, cette société qu'on appelle la société des chasseurs est restée très coalisée. Il n'y a pas eu de changement. Même demain, c'est un. S'il y a 1000 chasseurs, c'est un chasseur. S'il y a 1 million de chasseurs, c'est un chasseur. Alors, ça, le rang que vous voyez, à partir du vieux qui danse jusqu'au jeune qui danse, c'est par ordre de puissance, ordre de valeur, ordre rang social dans la famille des chasseurs. Cette danse, c'est pas tout le monde qui danse. Tout le monde n'a pas le droit de sortir ici. Vous voyez, avant même que je vous explique, j'ai demandé la permission pour me tenir debout. Tellement que c'est sacré comme danse. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale et l'une des occasions rares que l'argent ne peut pas avoir, que le pouvoir ne peut pas avoir, seule la tradition, l'honnêteté et la dignité du peuple malinké.
Incroyable, mais c'est vrai. C'est ça qu'on appelle les falaises de Bajagara. Ici, il y avait les pygmées. Il y avait les pygmées. Après les pygmées, c'était les télèmes. Et c'est les dogons qui sont venus chasser les télèmes. Et les pygmées, vous voyez les habitations des pygmées collées au mur. Et c'était pour mieux se protéger contre les guerres, tout ce qui pouvait avoir comme agression. Et le nom d'Ogon le plus célèbre et le plus noble, c'est Guindo. Guindo veut dire secret. Donc tellement, c'est pour vous dire combien c'est secret, combien de secrets ça renferme. Autant de secrets que tu peux imaginer. Mais je suis chez moi, et je suis en pèlerinage, et vous êtes ici, on découvre le lieu au même moment. Et ça, les créations sont depuis le 12e siècle. Depuis le 12e siècle, ils sont là, le Dougon. Les mêmes gens, les mêmes civilisations, malgré le tourisme, malgré quoi que ce soit comme... tendances de civilisation, ils sont restés eux-mêmes, tout le temps. Et pour moi, ils resteront des millénaires et des millénaires comme ça. C'est pourquoi ça fait partie des merveilles, des plus grandes merveilles du monde. Voilà, Merci. Wolu beni jamana ke farada
Malusini jamana ke tenyongolo dugu. Ile fanani jamana ke farato. Eni jamana ke bake farara. Iwolo na lula ke si mesendi sigadoni. Ima ke lula ke lena miri siga. Bolona ke lula wele libe di sigadoni. Jamfari duyari ke jamfari. Jamfari duyari ke jamfari bolo. Jamana kero seri Olu beni jamana ke farara Ma olu sini jamana ke tenyo molo tugu Jamfari dunyari ke jamfari Bua jamfari dunyari ke jamfari bolo Jamfari dunyari ke jamfari Jamfari dunyari ke jamfari Cette chanson, ça parle d'un amant et d'une fille. Chez nous, quand, à bas âge, la jeune fille vit avec un garçon. Mais elle ne se marie pas avec le garçon. Le garçon est là pour garder la virginité de la fille. Il ne se passe jamais de rapport sexuel. Alors, le garçon dit à la fille, quand tu seras prête pour partir chez ton mari, tu vas sentir une trahison. Alors, et moi, qu'est-ce qu'on va me donner à moi? Moi, on va me donner 10 colas pour me remercier de t'avoir gardé. Moi, pourtant, qui assurait tes petites dépenses. Moi, je récompensais même les femmes qui tressent ta tête et je dépensais de l'argent pour te payer des petits caleçons, ton limpin, toutes tes petites dépenses. Et moi qui blaguais avec toi quand au clair de lune. Moi, on va me donner seulement 10 colas pour me remercier. Moi aussi, je vais sentir la trahison. Donc, nous sentirons tous la trahison autour de nous. Pourquoi tu as pensé à cette chanson ici? Parce que nous sommes dans un village qui me rappelle ça, qui me rappelle des anciennes traditions. Et qui a gardé tout le temps ses origines traditionnelles. Et c'est l'ancienneté qui me fait penser à ça. Ça, c'était auparavant, mais avant. Et c'est que ce village-là, c'est la même chose qui se passe ici. Allez. Fidèle à ses traditions, le Mali a soigneusement préservé sa culture. Mais c'est un pays très pauvre qui n'a point bénéficié de son enracinement. Spirituellement, le Mali est très, très, très riche. Ne tata me tote yele woroka
Kito solo ma bure la nemi kila kani kala leseye. Kila lembe nunu kareye. Nemi kila kundi worope boye. Kila baya julu benya na bo. Boro tanko dunya di ke jamfari. Jamfa di ke jamfari molo, jamfa di dunya di ke jamfari, jamfa di ke jamfari molo.